Jodi a se 11 novem. Bienveni nan fèt la bel. Se 315 jou nan anè a kap fini nan 50 jou. Oy es el 11 de novembre. 315 días del año que se acaba en 50 días. Producimos este video del programa de Fête la Belle en español primero y en creol después para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Las músicas, las canciones están en creol. No se lo pierda. Nous faisons une vidéo bilingue aujourd'hui en deux langues, en espagnol et en créole, pour tout le monde capable de jouer. Écoutez-le d'abord en espagnol et après ça en créole. Il y a un pile de choses pour nous apprendre et chercher à comprendre. Aujourd'hui, c'est fête Saint-Martin de Tours ou bien Saint-Martin de Louvre. Au lieu de réfléchir, n'a fait vidéo en deux langues, j'en ai dit, pour tout le monde capable de jouer. À nous continuer avec fête la belle. Ahora vamos a hacer un resumen de la hagiografía de San Martín de Tours o San Martín de Loba. Hagiografía significa la historia del santo. Nació San Martín en Hungría en el año 316. Fue a vivir en Francia con su familia. Se convirtió temprano en el cristianismo, pero fue a la vez un sacerdote, un obispo, un militar y un confesor. Por eso lo llamaron un militar obispo. Tuvo temor a Dios y amó a su prójimo. Una vez decidió convertirse en un ermitaño y construyó luego su propio monasterio. Una vez, mientras
Kabalgaba, observó San Martín de Tours a un señor que estaba muriendo de frío. Martín partió su ropa en dos y le dio la mitad. Más adelante encontró a otro muchacho que estaba muriendo también de frío. Decidió darle la otra mitad de su ropa. Enseguida ocurrió un milagro. El frío cesó de repente y el sol empezó a levantarse. Por eso dice que cada año durante la fiesta de San Martín de Tours hay siempre un buen tiempo y que se llama el verano de San Martín. San Martín realizó varios milagros durante su vida. Por ejemplo, dicen que se curó a sí mismo después de haber ingerido una comida envenenada con una hierba. Además, otro milagro ocurrió al momento que iba a consagrarse como obispo. Él no quiso consagrarse, por eso se fue a esconder en un escondite de rebaño de gansos, pero los gritos de las aves lo pusieron a descubierto y le pudieron consagrar obispo. Dicen es a partir de esta fecha de fiesta de San Martín que cada año las aves suelen empezar a migrar hacia otro país. La fecha del 11 de noviembre parece tan importante que ciertos países suelen empezar a repartir regalos durante la misma. Para la Iglesia Católica es una fecha clave donde uno empieza los 40 días de preparación, de arrepentimiento, en espera del Adviento que culmina en la época de Navidad. Según la historia, hay un trozo de la ropa de San Martín que se guardaba en un lugar llamado Capellani. El guardia que velaba el lugar se llamaba Capellán. El lugar se convirtió luego en una pequeña iglesia que se llamaron Capilla. Es de allí también vino el nombre de Capellán. Se ha hablado también del martirio de San Martín. Dicen que el martirio de San Martín fue un instrumento que el santo utilizó para vencer a los demonios. Hay otros fenómenos que la gente cree tener que ver con San Martín de Tours. Primero, la fecha de hoy es 11-11, lo que es muy significativo. Segundo, la gente cree que fue por influencia de San Martín de Tours que la Primera Guerra Mundial terminó un 11 de noviembre. Tercero, que Martín Lutero, que dio origen al protestantismo, se llamó así a partir del nombre de San Martín de Tours y que el mismo Martín Lutero fue bautizado un 11 de noviembre. Cuarto, la gente piensa el Día Mundial de las Aves, viajadoras que se celebra cada segundo sábado de mayo y de octubre, el día de migración empieza realmente un 11 de noviembre.
San Martín fue el primer santo que la Iglesia canonizó como santo de precongregación, ya que no había todavía el proceso largo de cinco pasos de litigio en el Vaticano para ser santo. Primer paso, sumisión de documentos o postulación. Segundo, la persona recibe el nombre de servidor de Dios. Tercero, recibe el nombre de venerable. El cuarto, recibe el nombre de beato o bienaventurado. Y finalmente, recibe el nombre de santo. Para terminar, la fiesta de San Martín se celebra el 11 de noviembre, coincidiendo con la matanza del cerdo en muchas regiones de España. De ahí el origen de la expresión, a cada cerdo le llega su San Martín. También la gente dice, donde adoran a Dios, adoran también a San Martín de Tours. San Martín de Tours o San Martín de Loba es el santo patrono de los pobres, de los hoteleros, de los viticultores, de los sastres, de los militares, de los alcohólicos y de muchos países y ciudades como Buenos Aires y Francia. Fue su servidor, Tercis Belfort, para Fête la Belle. Hasta mañana, si Dios quiere, pueden seguir escuchando la versión del creol. On a parlé, on est en créole de Saint-Martin de Tours, de Tevet 316, d'un pays Hongrie. Il était venu habiter en France avec parents. Il était converti tout petit dans le christianisme. Il était un militaire tout au service roi. Il était venu père, évêque et puis confesseur. C'est pour ça qu'il était relé un militaire évêque. Li te mette bon di avan tout bagay, menm avan la mea, li te di, mwen se soldat kris la, e li pa legal pou mal nan la gen. E, men apre, li te deside al nan la gen sans am. Pa mirak, l'enmi yo te vin rekonsilye, e batay la patri ve fet. Se matin de tou, te deside vin yon ermit, Pital était créé propre lié retraite li. L'été fait un pile miracle avant de mourir. L'été même guéri tête li après elle t'a fini manger yon zèbre empoisonné. Miracle qui t'a fait et tout le monde saisi. Et bien c'est là l'état pas sacré et monseigneur les pas de et bien l'état est caché dans un caloge. Men bruit et zoyo, bruit zoyo, et bien te fait te découvrir côté te yé,
Et puis c'est là ça, il était joigné et il t'a mis de il était tout sacré. C'est peut-être ça, c'est à partir de date ça, ce matin, et fait ce matin ça, et bien les oiseaux ont commencé et voyager. Donc les oiseaux ont voyagé en groupe, sorti d'un pays, aller dans l'autre, et bien c'est à partir de jeudi, ils ont commencé à faire ça. Dans quelques pays, c'est depuis fête Saint-Martin de Tours, ils ont commencé à faire des cadeaux. Avant fête là, ce n'est pas des joies, ce n'est pas des bambilés, ce n'est pas des réjouissances. Dans l'Église catholique, c'est depuis jeudi, 11 novembre, ils ont commencé 40 jours de réflexion, hein, jours de repentance et de préparation pour fête Noël là. C'est ça, nous relève. L'avant, ça veut dire l'avant pour arriver sur nous là. Histoire racontée, matin, et t'es remé fait bien. Ce matin, t'es remé fait bien. Un jour, il était bail, il a malgré un morceau dans le manteau, pour être capable d'échapper en bas Freddy. Puis devant, il était bail, il y a un autre monde qui t'a mouru dans Freddy, il était bail, l'autre bon manteau. Tout de suite, après, il y a un miracle qui était fait, le soleil était levé. Et dans la zone là, et puis Freddy te disparaît. C'est peut-être ça, il dit, laissez fête ce matin, eh bien, a toujours gagné un bon temps. Et il y aurait le bon temps, ça, cette matin, sommaire, ou bien été de Saint-Martin. Martin était malade, il était mort en 397 à l'âge de 81 années. D'après l'histoire, toujours, et il a dit yon morceau manteau Saint-Martin te conservé yon côté yore le Kapeyani. Et moun ki tap suivi Kapeyani te le Kapeyan. Côté ça te vin converti en ti l'église, c'est pour ça yore le ti l'église yo chapel jodi a. Et c'est là tout mot chapelain sorti. Fête Saint-Martin tombe chaque 11 novembre dans l'Église catholique. Nous sommes capables de reconnaître Saint-Martin dans l'Église là, les noues et statues, un saint qui sur un cheval et qui a coupé, qui a fendu un morceau et radis pour y bailler un pauvre malheureux. Et bien ça qui relève tout, marteau de Saint-Martin. D'après tradition, marteau de Saint-Martin c'est un outil. Ce matin, qu'on utilisait pour craser tête Satan. Il a toujours dit, côté, il connaît Christ là, eh bien, il tout connaît ce matin tout. Il y a plusieurs autres événements qui montraient fête ce matin important. Premièrement, aujourd'hui, c'est 11-11, c'est un jour très significatif. Deuxièmement, il y a des gens qui croient, c'est grâce à l'influence ce matin de tout. Que première guerre mondiale là t'est terminée un jour 11 novembre. Troisièmement, et Martin Luther qui était commencé le mouvement protestantiste là, eh bien c'est à partir de Martin de Tours il était relé comme ça, Martin Luther. Et drôle coïncidence, il était baptisé le 11 novembre. Quatrièmement, et moun yo pense Journée mondiale des oiseaux migrateurs qui célébrait chaque deuxième samedi de mai et d'octobre. Et mes journées, ça a réellement commencé chaque 11 novembre parce que c'est là ça les oiseaux commencé à voyager. Donc, Saint-Martin, tout, c'est le premier saint que l'Église a canonisé dans sa URL. Époque pré-congrégation, parce que pas de processus très long de 5 étapes pour côté de un procès, tout un procès pour monter une saint. Et nous rappelons 5 étapes, ça y est. Premièrement, c'est soumission de document, ça les postulations. Et deuxièmement, si mon a mérité, ça va les serviteurs de Dieu. Troisièmement, il les vénérables. Quatrièmement, il y aurait les il y aurait les bienheureux, ou bien béato, bienheureux, et finalement, il y aurait les saints. Et
Non, quoi là que yo dit tout fait on se doit venir de coïncider à date yo t'ai tué on s'est des cochons n'a plus à côté en Espagne. C'est pour ça yo un proverbe qui dit eh bien chaque cochon attend Saint-Martin pa yo. Donc Saint-Martin c'est un patron moun pauvre patron hôtelier yo moun kap cultiver raisin tailleur yo militaire yo alcoolique yo et puis c'est pas trop tout quelques pays à quelques villes takou Buenos Aires Buenos Aires et la France c'était à géographie et Saint-Martin de Tours ou bien Saint-Martin de Louvre à demain si bon Dieu voulait.